Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission, ce nouveau live où je suis en compagnie de Margot Winterhalter qui va nous parler de son parcours, comment elle a fait finalement pour devenir tarologue. Avant de recevoir Margot, comme d'habitude, je vous rappelle, restez bien jusqu'au bout de cette émission puisqu'à la fin, je vous ferai des petites annonces pour vous indiquer quelles sont la suite des événements, surtout que sur le guide de la voyance, vous savez avec qui je suis en partenariat, il y a beaucoup de nouveaux lives qui arrivent autour des prédictions. Enfin, ça sera une semaine spéciale prédiction 2023, ça sera la première semaine de décembre. Mon Dieu, c'est déjà la semaine prochaine, le temps passe vite. Donc voilà, je vous annoncerai tout ça à la fin du live. Mais en attendant, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre la petite cloche si vous voulez recevoir les notifications pour les prochains lives. Et je reçois tout de suite notre invitée, Margot Winterhalter. Bonjour Margot. Bonjour. Bienvenue à toi. Merci beaucoup. Ça va bien? Tout est OK Oui, pour ça va toi? bien. Et toi? Bien Ça va bien. installé. Bien installé. Je t'attendais. Tout va bien. Nickel. Alors Margot, aujourd'hui, un live un peu spécial puisque on a envie de te découvrir. Enfin, j'ai envie de savoir un petit peu mieux qui tu es et surtout par rapport à ton parcours de tarologue. Ouais. Ça m'intéresse d'autant plus de manière particulière parce que je suis moi-même tarologue aussi. Peut-être pas dans le même créneau que toi, puisque moi j'ai un tarot un peu plus, une version un peu plus ésotérique. Oui. Mais il y a beaucoup de personnes qui nous regardent aussi, qui sont dans cette tarologue attitude, comme je l'appelle, tu vois, l'envie d'être dans la pratique du tarot, pas forcément de façon professionnelle avec en s'installant pignon sur rue, etc. Mais dans leur pratique, tu vois, avoir une pratique de professionnel et voilà, voir un petit peu le parcours des autres. Des fois, c'est très inspirant aussi hein, pour pouvoir nous aider à avancer dans notre propre cheminement. Et aujourd'hui, justement, j'aimerais découvrir un petit peu plus qui tu es. Et justement, j'aimerais te poser cette première question. Si on repart, si on rembobine le film un petit peu de ta Ouais. vie, qu'on repart au tout début, est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment tu étais quand tu étais jeune? Qui était la petite Margot? Où est-ce que tu as grandi? Voilà, juste pour poser un cadre. Ouais, cadre, c'est Alsace. Donc, je viens d'Alsace. Ah, tout comme moi. C'est vrai, tu viens d'où en Ouais. Alsace? Mulhouse. D'accord, bah oui, bah, je viens de Guebwiller. Ah Donc, oui, ok. Guebwiller est une petite ville entre Guebwiller et entre Mulhouse et Colmar, pardon. Que dire d'autre? Plutôt profil enfant sage. Voilà. Après, je sais pas trop quoi. Plutôt bonne à l'école, ce genre de choses. J'ai une sœur. Voilà. Ben écoute, c'est déjà bien, on Oui, en c'est déjà apprend. bien. Qu'est-ce que tu veux savoir de mon enfance? Parce que là, je suis en mode ouais. Non, c'était juste pour avoir un peu un cadre, parce que généralement, Ouais. c'est bien que des fois aussi, il y a certaines personnes qui, toutes petites, ont déjà cette approche assez marquée avec soit la Oui. spiritualité, soit les Oui, arts oui. divinatoires. Ils ont déjà eu des expériences toutes D'accord, si c'est petites, ça tu la vois. question. Alors, j'ai deux réponses à apporter. Si tu demandes plus pour le côté pro, on va dire que, tu sais, parce que je me définis aussi comme une entrepreneure et il y a eu d'emblée quelque chose qui ne m'a pas facilité la vie forcément, c'est que j'ai deux parents qui sont enseignants, donc fonctionnaires. Je me rends compte qu'avec les années, j'ai dû vraiment changer de mentalité parce que j'étais très imprégnée de ça. Ça, c'était la première chose qui a quand même marqué mon enfance. Et la deuxième chose, effectivement, plus du point de vue peut-être tarot, spiritualité, etc. Alors, il n'y avait pas de carte dans ma vie, hein, bah, enfin, pas plus que ça à cette époque. Mais par contre, je pense que... Mais en fait, j'ai du mal à le dire parce que ça me semble tellement évident et naturel. Et j'ai l'impression que c'est évident et naturel pour quasiment tous les enfants que j'avais cette vie très spirituelle. Que tu vois, j'ai vécu dans la maison de mes ancêtres, de mes arrière-grands-parents, et pour moi, ils faisaient littéralement partie de la maison. Que je me promenais en forêt et que je parlais, enfin, il y avait certains lieux qui étaient plus chargés pour moi que d'autres. Tu vois, c'était en filigrane un petit peu partout, mais comme j'ai pas envie de dire que c'était quelque chose que je développais ni quelque chose que je trouvais très particulier chez moi, c'était juste que ça faisait partie de la vie. Du quotidien. Ouais, ça faisait partie de mon quotidien, c'était un peu là, tu vois. Mais en tant qu'enfant, je pense que ça se rapportait vachement, enfin, que ça se rapprochait vachement du type de magie qu'on a quand on attend Noël, du type de magie qu'on a quand on nous lit des histoires, tu vois. Il y avait quelque chose qui était très entremêlé
d'imaginaire d'un côté et vraiment de ce qu'on peut plus caractériser de spirituel ou d'ésotérique quand il s'agissait, ouais. quand il s'agissait vraiment d'être en connexion avec certaines choses qui n'étaient pas typiquement humaines. Quand, par exemple, je me baladais en forêt, ce qui m'arrivait beaucoup. Ou effectivement, quand on était dans notre maison et que pour moi, c'était, enfin voilà, il y avait une partie qui n'était pas notre famille, donc mon père, ma mère, ma sœur ouais. et moi. Ouais. Et que c'était juste, enfin, ça fait partie des meubles. Ouais, c'est ça. C'était pas bizarre ou mystérieux, voilà. Mm. Ça paraissait normal, quoi, en fin de compte. Ouais, c'était finalement. Assez normal. Ouais, et personne non plus. Je pense pas que j'en parlais beaucoup, mais s'il m'arrivait d'en parler, mes parents n'étaient pas vraiment du genre non plus à mettre un couvercle dessus, tu vois. Mmh. Ok. Et du coup, par rapport à ça, le tarot en lui-même, il est arrivé comment dans ta vie? Il est arrivé tard. Hein. Il est arrivé. Déjà, avant le tarot, c'était plus carte, type carte à jouer. Où je ne sais plus comment c'est arrivé, mais c'était très jeune, pré-ado-ado, tu vois, vers 12-13 ans, où je suis tombée sur des bouquins philosophiques, des bouquins historiques qui m'ont ouvert à toute la symbolique des cartes, tu vois, les 52 cartes qui sont en fait 52 semaines de l'année. Enfin, tu vois, il y a tout un monde symbolique qui est caché derrière qui m'attirait énormément. Donc, c'était vraiment carte, tu vois. J'ai eu très, très tôt, tu sais, alors je ne sais plus du tout, c'est un petit jeu, il est assez connu, tu sais, il est noir et il y a une petite chouette dessus et c'est les cartes à jouer et tu as toute une explication symbolique en dessous. Tu vois de quel jeu je parle ? Non, pas du tout. Hein. Je trouve, c'est un truc qui était assez mainstream à une époque et donc j'avais ça, je jouais un peu avec, mais tu vois, c'était sans plus. La connexion qui a saturé un petit peu chez Margot. Oh. Attends, je t'attends. Tu me dis quand c'est bon. Je pense que ça y est, t'as retrouvé. Je me dis quand c'est bon. Ouais, donc je jouais un peu avec ça. Mais en fait, le tarot lui-même est venu beaucoup plus tard. Je ne sais pas si tu le sais, moi j'ai eu un parcours de doula à un moment donné dans ma vie. À partir de 2007, je me suis formée auprès de l'Institut Doula de France. Enfin voilà, j'ai eu un parcours de doula quelques temps au sein duquel j'ai animé ce qu'on appelle des tentes rouges, c'est-à-dire des groupes de parole intimistes de femmes sous une tente rouge qu'on fabrique. Et dans ce cadre-là, je me suis mise à utiliser des cartes surtout d'oracle qui servaient à, en fait, à l'inspiration, tu vois, à libérer la parole sur le moment. Dans ce cadre-là, j'ai eu mes premiers jeux de tarot, mais que je considérais plus comme des oracles ou des supports à l'inspiration. Tu vois, c'était pas vraiment pour l'aspect très tarologique, très symbolique, très lecture de tarot. Mais ça a quand même été mon fil conducteur. Donc, en fait, les cartes et le tarot, peu à peu, sont entrés dans ma vie à partir de 2007. Donc, tu vois, j'avais 27 ans. Donc, ça va être assez tardif pour ce parcours-là, en tout cas. Le parcours spirituel était bien établi avant, tu vois, j'avais des dialogues avec la lune, par exemple, ce genre de choses. Ça, oui, complètement, de l'écriture intuitive, complètement, mais pas forcément de cartes. Donc, c'est arrivé relativement tard. Et de fil en aiguille, oui, je me suis mise à explorer ce monde-là, je me suis mise à commencer à faire des lectures, surtout pour moi, énormément pour moi. Et ouais, ça a été le point d'accroche, ça. Donc, beaucoup de bouquins aussi, donc la découverte à travers les livres. Est-ce que tu as fait des formations aussi, justement, pour aller plus loin dans le tarot ? Formations, mais déjà parce que, de un, j'avais pas besoin, tu vois, j'ai fait une formation doula aussi parce que j'avais besoin de me professionnaliser un petit peu dans ce rôle-là. J'ai pas fait de formation en tarot ou en quelques matières ésotériques que ce soit parce que, dans ma tête, je me professionnalisais pas. C'était vraiment de la pratique personnelle. Et par contre, j'ai énormément lu. Et YouTube, mais mon Dieu, merci YouTube, quoi. J'ai beaucoup consommé sur YouTube. Enfin, je consomme toujours beaucoup, d'ailleurs. Plutôt du format podcast, tu vois. Du style, je le mets dans les oreilles et puis je fais mon ménage, ma vaisselle, ma promenade en même temps. Et ça m'accompagne pendant toute ma journée. C'était très, 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 très axé anglophone. J'ai eu peu d'accès francophone à l'apprentissage du tarot, si ce n'est Jodorowsky. Donc voilà d'où me vient mon background, ma formation. C'était vraiment, mais en fait, quand je m'immerge dans quelque chose, c'est vraiment une en profondeur. mais c'est non-stop en fait. C'est non-stop. Et donc ta source d'inspiration finalement, c'est l'apprentissage par les tarots plutôt anglo-saxons, c'est ça? C'est pour ça que tu es très marqué avec le Rider-Waite. C'est pour ça que je suis très marquée Rider-Waite-Smith. Et aussi parce que très vite, parce que
En fait, j'ai l'impression que j'ai eu les deux très vite entre les mains. Tu vois, quelque part, un espèce de choix avec le tarot de Marseille que j'explorais, hein, particulièrement avec Jodorowsky, forcément, et avec tout ce qui était. Quand je dis Jodorowsky, je ne parle pas que de la voix du tarot, je parle du livre Métagénéalogie, je parle de son livre sur la psychomagie. Tu vois, ce n'est pas uniquement Ouais. tarot. Et d'un autre côté, tout ce qui était accès anglophone, donc peut-être plus avec le Rider-Waite-Smith. Et très vite, en fait, le tarot de Marseille, je l'ai trouvé assez. Je trouvais très important d'avoir les bases en tarot de Marseille parce que c'est quand même notre base européenne à nous, notre base philosophique à nous. Et tu vois, il y a des espèces de grands archétypes qui ont marqué notre histoire en tant qu'être humain qu'on retrouve dans le tarot de Marseille. Donc, je trouve ça, c'est les pierres fondatrices pour moi. Mais après, je trouvais ça difficile d'emploi pour, en tout cas, l'utilisateur du tarot que j'avais, c'est-à-dire quelque chose qui allait aider à notre vie, à l'avancée de notre vie. Et qui allait aider à notre découverte de nous-mêmes en tant qu'être humain. Parce que c'est ça l'emploi que j'ai du tarot. Et du coup, déjà, je trouvais ça, mais dommage à ce que les bras m'en tombent par terre d'utiliser 22 cartes dans un jeu de 72. Je me disais, mais qu'est-ce que c'est cette connerie de vouloir en utiliser que 22? Hein, pourquoi d'abord? Enfin, il y avait une petite révolte en moi. Et ensuite, je trouve que le tarot de Marseille se lit comme. Enfin, tu vois, je suis très amoureuse des bâtiments historiques médiévaux, surtout médiévaux en fait. Et je retrouve toute cette iconographie au sein des cathédrales, des églises et divers, même des châteaux en fait. Et en fait, j'ai l'impression que c'est comme ça, que c'est un peu figé dans le marbre, que c'est un peu glacé, que c'est un peu loin de nous en fait, et que c'est plus des pierres angulaires que des choses auxquelles on peut se raccrocher vraiment en tant qu'être vivant qui va peut-être divorcer de son mec, tu vois, un truc comme ça. Ouais, c'est sûr. Donc, voilà là où ça a bifurqué, en fait. Et y a eu aussi un aspect tout simplement esthétique, un choix esthétique qui était d'être émerveillé par ces 72 cartes qui se déploient devant soi et que chaque illustrateur explore à sa manière à lui. Dans des versions plus colorées ou plus noires et blancs les unes que les autres. Et ouais, il y a cet attrait artistique aussi qui était vraiment là chez moi, quoi. Ouais. Et du coup, facilement, par rapport à tout ça, tu as fait le choix d'aller vers l'enseignement tout de suite ou tu as commencé par faire des consultations, comme la plupart des tarologues, en fait? Oh, comme la plupart des tarologues. J'ai été doula. Ensuite, j'ai été thérapeute conjugale. Je me suis installée comme thérapeute conjugale quelques années. Et c'est quand j'étais en thérapie conjugale que j'ai fait une espèce de coming out spirituel. Je me suis mise à Instagram à ce moment-là et je me suis mise à diffuser des images de mes tirages de tarot, en gros de ma vie plus ou moins spirituelle, parce que, bah, tout simplement parce que j'avais vu des anglophones le faire, ça m'avait inspirée et je me suis mise aussi à exposer ça. Avant tout, honnêtement, pour l'aspect esthétique aussi. Et s'il n'y avait pas de but forcément, de but commercial, on va dire, j'essayais pas de vendre un service derrière, si ce n'est les tentes rouges. Mais les tentes rouges, c'était pour moi une fois par mois, ça coûtait 10 euros. Enfin, tu vois, c'était plus pour fédérer du monde que quelque part pour gagner ma vie. Donc, ça a commencé comme ça. Et du coup, oui, là, je me suis mise. Enfin, il y a eu un retour très, très rapide. Je me suis mise à offrir des tarots. Des lectures de tarot un peu au compte-gouttes, mais en fait, moi j'avais encore une clientèle en thérapie conjugale assez large. Et c'est dans ce cadre-là qu'il y avait des personnes qui me demandaient de faire un travail au-delà de juste le couple. Et du coup, je me suis mise à tirer le tarot pour ces personnes-là, mais ça a été à un moment des choses qui étaient très imbriquées. L'époque où tout d'un coup j'ai dit, ouais, maintenant je propose des lectures de tarot, ça n'a pas été. Tu vois, il n'y a pas eu un truc de tout d'un coup, je le fais, je me jette à l'eau pour le faire. C'est venu très progressivement, c'est venu à la demande et c'est venu d'abord au sein de consultations qui n'avaient rien à voir forcément avec le tarot. Et après, un jour, tu t'es réveillée, tu étais dedans, quoi. Tu dis, ça y est, ben, je suis en train de faire des Ouais, il y avait un peu consultations. Donc, ce truc de. Bah, c'était pas. Il y avait de plus en plus de questions, de plus en plus de questions sur ma pratique, de plus en plus de questions, enfin, des questions toutes bêtes du style c'est quoi ce tarot, tu vois? Ou c'est quoi ces cartes que tu utilises? Enfin, il y avait des questions assez basiques, tu vois, et ça me faisait plaisir d'y répondre en plus. Donc oui, ça s'est passé comme ça. Et puis, je me suis vite rendu compte que j'avais une pratique qui était effectivement très, très pratico-pratique, qui était très ancrée dans le quotidien et ancrée dans la découverte de soi
et que du coup, j'étais pas, j'avais besoin de m'affirmer là-dessus, enfin de le dire, parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent au tarot pour des questions beaucoup plus d'ordre divinatoire auxquelles je ne me sentais pas de répondre parce que je suis... c'est pas quelque chose que j'arrive à faire facilement, en fait, tout simplement. Je pense qu'il y a une question aussi de don et une question de... Est-ce que j'avais envie d'explorer ça? Et la réponse était non. Moi, j'aime bien quand les gens, ils construisent leur avenir plutôt que de leur faire du pré-mâché. Ouais. Qu'il soit bon ou mauvais. Du coup, j'ai eu besoin vraiment de... d'expliquer le truc. Et voilà. Donc, ça, c'est... Et du coup, les cours se sont construits aussi là-dessus. Ouais, un côté un peu cartésien quand même qui reste peut-être d'une ancienne vie ou quelque chose comme ça, quoi, d'une ancienne profession. Et qu'est-ce... Du côté hyper capricorne. Ouais. Ah ben toi aussi, bah, décidément. Et pourquoi puis, tu es capricorne aussi? Oui. Ça commence à faire beaucoup. oui, et du coup, ce que je voulais dire, c'est qu'est-ce qui a été comme... C'est quoi le déclic, justement? C'est qu'est-ce qu'on a dans la tête à ce moment-là? Qu'est-ce que tu as ressenti quand tu t'es dit, ben, aujourd'hui, c'est le moment? Comment tu as reconnu que c'était maintenant le moment, justement, de faire la bascule, de lâcher, justement, ce que tu faisais et d'officialiser, quelque part, cette pratique de tarologue? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont toujours dans le doute, qui sont toujours dans le « j'ose pas franchir le pas » parce que c'est vrai que lâcher son ancien boulot pour aller de l'avant, c'est vers l'inconnu, ça, c'est parfois effrayant. Mais ça s'est pas passé. En fait, ça s'est pas passé comme ça pour moi, en fait. Déjà, je recommande à personne de lâcher un boulot pour le tarot avant d'avoir une pratique tarologique qui marche. En fait, ça s'est fait naturellement parce que ça s'est imposé. Il y avait de plus en plus de monde pour le tarot et de moins en moins de monde pour la thérapie conjugale, point. Et un jour, le nez creux, j'ai fait mes comptes pour combien est-ce que je gagnais en ligne avec mes activités de formatrice, mes activités en lecture de tarot, et de l'autre côté, ce qu'il y avait en thérapie conjugale et combien me coûtait aussi mon cabinet. Tu vois, il y avait un calcul à faire à ce niveau-là. Et j'ai remarqué qu'avec ma activité de thérapeute conjugale, ce que j'arrivais à dégager en net, c'était 60 euros. Ah ouais, d'accord. Comparé à, je ne sais plus à combien j'étais, mais je devais avoir dépassé les 2000 euros de chiffre d'affaires pour l'activité tarologique. Donc, il n'y avait pas photo. Sur ce, j'ai posé mon préavis, j'ai rendu mon cabinet. Et le mois où j'ai rendu mon cabinet, on a été en confinement. Donc, aïe, ça c'est dur. Ah non, c'était parfait. Je veux dire, pourquoi est-ce que j'aurais payé un cabinet pour des gens qui ne pouvaient pas se déplacer? Ouais, aussi, ouais, en même temps, c'est vrai. Donc, ouais, donc ça a été hyper chouette, en fait. Là, pour le coup, ça a été génial. Mes collègues qui travaillaient avec moi, parce qu'on était un cabinet à plusieurs, on dit, mais c'est pas possible. Enfin, tu l'as vu dans tes cartes, le truc, qu'en fait, le cabinet n'allait plus te servir à rien. Alors, il ne me servait plus à rien dans les faits, mais les consultations que tu faisais, etc., tu n'avais pas besoin d'avoir un cabinet pour les faire, c'était tout uniquement en ligne, c'était chez les gens, c'est ça ? D'accord, oui, okay, oui, c'est pour ça. Oui. Il y avait une partie qui était en face à face, en visio, comme on le fait là, et il y avait une partie qui était de l'enregistrer. J'aimais bien travailler en enregistré aussi. Ok. Et j'ai envie de dire, par rapport à tout ça, si quelqu'un doit se lancer dans la tarologie, quels sont d'après toi les atouts, enfin les choses que tu as eues obligatoirement besoin pour démarrer ça, pour te mettre en avant, les atouts qui peuvent aider justement dans cette pratique-là? Est-ce que c'est, je sais pas, justement la communication? Est-ce que c'est l'ouverture d'esprit? Est-ce que c'est autre chose? Le côté marketing peut-être aussi qui peut aider? Ouais, il y a eu plusieurs... Alors, je repars aussi de mon expérience, mais dans mon cas, il y a eu ce truc où j'ai eu de la chance. Je ne sais pas si c'était de la chance, hein, parce que ça a représenté des années de galère complètement dingue. J'ai été doula dans ma ville et j'ai été connue pour ça. Je veux dire, ça n'a pas marché, hein, financièrement parlant, c'était nada. Mais n'empêche qu'on me connaissait pour ça. Je faisais partie de cercles d'entrepreneurs, j'animais les tentes rouges. Enfin, il y avait un mouvement autour de ça, même si c'était du quasi-bénévolat. Tu avais ton réseau déjà un petit peu, le relationnel qui était déjà en place. Extrêmement féminin. Il y avait une fibre quand même qui était assez spirituelle parce que tu ne peux pas faire un bébé sans y attacher de la spiritualité. Je veux dire, c'est complètement dingue quand même quand on y pense. Donc, il y avait quelque chose comme ça et que je participais à des nombreux événements. J'ai fait des salons. Donc, j'avais quand même un réseau.
Ensuite, j'ai été thérapeute conjugale. L'effet réseau a continué à se faire quelque part sur quelque chose peut-être de plus. Pour le coup, c'était un peu plus pragmatique que ce qui était vraiment doula. C'était plus thérapeutique. J'étais formée, j'étais psychopraticienne à cette époque-là. J'ai fait une spécialisation thérapie de couple. Donc, il y avait aussi ce réseau qui s'est constitué à ce moment-là. Et quand j'ai commencé à parler tarot, du coup, ça s'est étendu, ben, pour le coup, au-delà de juste le cercle troyen parce que je vivais à Troyes. Là, c'est devenu beaucoup plus large, mais j'avais déjà une communauté existante. Je ne suis pas partie de rien. C'est pas comme la personne. Je suis pas. J'ai jamais été dans cette condition comme la personne qui se dit, voilà, j'ai 20 abonnés sur Instagram qui sont mes copines et maintenant j'offre des lectures de tarot et je dois me lancer complètement. En fait, c'est une position que j'ai jamais occupée, celle-là. Ouais, donc Donc c'est j'ai eu un avantage aussi d'avoir ce cet réseau. avantage-là. Et étant donné que j'avais eu un parcours, donc doula, qui n'avait pas marché, honnêtement, hein. Comme je l'ai dit, financièrement, c'était nada. Ça a marché du point de vue réseau, ça, c'était terrible. Et j'avais ce truc en thérapie conjugale que j'ai fait tourner, hein, très honnêtement, mais pas suffisamment à mon goût. J'étais vraiment pas confortable. J'ai connu des mois de dèche complète. Donc, je m'étais formée quand même vraiment sur tout ce qui était entrepreneuriat, marketing, communication, etc. Donc, j'avais toute cette base qui ensuite a continué à me servir quand j'ai eu des activités tarologiques. Donc, je reprends là aussi si les personnes doivent se former, doivent avoir un coach, doivent avoir une consultation là-dessus, le faire parce que ça apportera toujours un œil extérieur et vous montrera ce que vous pouvez faire ou ce que vous ne faites pas, etc. Donc, ça, c'est effectivement quelque chose que j'ai déployé et que j'ai appris à apprivoiser dans ma propre vie parce que ça n'a rien d'évident au premier abord de vendre, hein, parce que c'est Ouais, clairement un métier de vente. c'est un métier à part, ouais. Ouais, c'est un métier à part. Et là aussi, tu vois, quand je te dis, quand je m'immerge dans un truc comme je l'ai fait en plongée sous-marine, là, pour le tarot et tout le monde ésotérique, je l'ai fait en entrepreneuriat. Je veux dire, je pense que je suis encore, je pense que mon temps est divisé à peu près en deux. C'est non-stop. Des histoires d'entrepreneurs, des histoires de comment ils ont fait, enfin, mais non-stop, et des trucs très techniques aussi. Des fois, c'est entièrement comment se servir de, je sais pas, de Canva, par exemple. Mais donc, je change aussi mon mindset en étant, mais en immersion totale. Et ça peut être 3 heures par jour, hein. Donc, c'est beaucoup, j'en mange, quoi. Je veux dire, je l'incorpore, quoi. Vraiment, il y a un truc d'incorporation. Donc, il y a eu ça. Ouais, tu disais, c'était ça, qu'est-ce que je conseillerais à quelqu'un qui se lance? Oui, comme en fait, quelles étaient les forces justement que tu avais pour toi en fait, quoi, les points forts que tu pouvais utiliser, sur lesquels tu pouvais t'appuyer finalement. Donc ça, ce dont j'ai parlé là, ce truc d'avoir déjà une communauté, ensuite de développer ce côté peut-être vente. Ça, c'est quelque chose de plus structurel, on va dire. Et il y a aussi ce truc de savoir reconnaître peut-être qui on est, de se le faire dire, parce que les gens nous le disent, et d'appuyer, mais à fond la gomme dessus. Il y avait un truc, dès le départ, quand j'ai commencé à faire des lectures de tarot, dès que j'ai commencé à parler de spiritualité en général, les gens m'ont fait... La plupart, enfin, parce que les gens nous parlent, hein, ils nous font un retour du style, oh, mais toi, t'expliques ça de façon concrète. Oh, mais j'avais jamais pensé à mettre ça en application dans la vie. Oh, mais toi, tu le dis de façon un peu brutale et rentre-dedans, dérangeante même. C'est beaucoup de retours qu'on m'a fait. Et il y avait des gens qui adoraient ça et qui restaient avec moi juste pour ça. Il y a des personnes qui, enfin, je sentais que c'était, tu vois, ils devenaient des petits hérissons et plus jamais je les revoyais de toute ma vie. Et c'est tant mieux parce que, faut tout pour faire un monde. Et enfin, ça me va, tu vois, que les personnes à qui je correspond pas ne restent pas avec moi, c'est normal. Mais On du peut pas coup, plaire à tout le monde. on peut pas plaire à tout le monde et c'est franchement, c'est très, très, très bien. Parce que je peux pas servir 8 milliards d'êtres humains, on est bien d'accord. C'est de repérer ça et de me dire, effectivement, c'est effectivement ce que je suis. Je me rendais compte que c'était pas une version biaisée de moi que j'offrais au monde parce qu'il y a des fois, des fois, on peut recevoir des compliments, on sent que c'est faux, en fait, que c'était un jour, on était comme ça, mais qu'en fait, on ne l'est pas vraiment comme ça. Donc là, c'était juste, et j'ai appuyé, enfin, je veux dire, j'ai appuyé la pédale Appuyer d'accélérateur le à fond. trait en Moi, fait, ouais. je suis devenue encore plus ça, et c'est quasiment que ça que je mets en avant. Parce que c'est ça qui accroche chez moi. Et en fait, c'est
Pour une personne qui démarre ou qui commence à développer son truc, au départ, elle va faire des trucs qui vont ressembler honnêtement à ce que font tous les autres, et c'est normal. Mais quand elle va offrir des tirages de tarot, les gens vont lui dire en fait là où elle a été particulièrement percutante, tout ce qui les a, ce qui leur a beaucoup plu ou ce qui leur a particulièrement déplu. Et elle a tout intérêt à, mais à se mettre à fond là-dessus, quoi, à devenir encore plus ça. À justement, comment dire, à forcer le trait par rapport au feedback qu'on a des gens dans la Oui, manière dont ils nous perçoivent, quoi, oui, oui. simplement. Ouais, à devenir encore plus clair là-dessus, parce que plus on est clair sur ce positionnement-là, sur moi, c'est ça ma marque de fabrique, et enfin plus déjà on sera reconnaissable, et moins on sera noyé dans une forme de masse de ben voilà, tout le monde, on a des cartes, quoi. Oui, on a des cartes. C'est pas avoir des cartes qui me différencie de quiconque. Hein. Et à partir de là, comment est-ce que, quels outils, j'ai envie de te dire, tu as mis en place pour aller développer encore davantage ton business? C'est passé par quoi? Essentiellement par le réseau informatique, justement, avec YouTube, les réseaux sociaux, tout ça? Ou est-ce que tu as vraiment joué la carte du relationnel, du bouche à oreille, à l'ancienne, la communication à l'ancienne, tu vois? Je vais donner mes cartes, je vais donner mes flyers, ou tu es vraiment resté dans l'air du temps avec une communication plutôt, sur les Pour réseaux, le quoi. côté tarot, ça a surtout été en ligne. Ça a surtout été en ligne parce que déjà, c'était quelque chose de national. Ensuite, c'était quelque chose pour lequel je n'avais plus de cabinet. Donc, quelque part... un peu obligée. Il y avait le confinement par là aussi, qui a vraiment été assez déterminant aussi pour ce que j'ai vécu. Et ouais, donc ça a été beaucoup en ligne. J'ai privilégié Instagram, j'ai privilégié un peu YouTube aussi, mais voilà, je m'en suis tenue à ça parce que c'est des bons vecteurs de communication pour moi parce que je me sens à l'aise dessus. Après, il y a plein de systèmes qui soutiennent en sous-main, on va dire, tu vois, j'ai un logiciel pour envoyer des mails, etc., qui permettent, qui fluidifient tout ça. J'ai gardé pendant un temps la communication de réseau sur place. Je participais notamment à des événements de lecture publique, ce genre de choses, et pour la communication et aussi parce que c'était un énorme kiff pour moi, quoi, que j'adorais ça. Donc, mais à quelqu'un qui débuterait aujourd'hui, je lui recommanderais presque plus de le faire en réseau sur du local. Déjà parce que c'est ce qui m'a porté au départ. Faut pas oublier que j'avais un réseau local au départ, même si c'était pas forcément en tarologie, et que ça, enfin c'est de là que c'est parti. Et ensuite parce que ça, le fait de le faire en direct, ça force à déjà assumer complètement ce qu'on fait, le faire en face à face, à être spontané. Enfin, je veux dire, il y a des tas d'apprentissages qui se font, qui ne peuvent pas se faire en ligne. Et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui essayent de se cacher derrière le truc en ligne. Voilà, comme ça, personne ne pourra jamais me reconnaître. Je ne fais que des images de cartes et jamais on ne Dans verra les mon visage. vidéos, on voit que les mains. Je vais faire que des trucs à distance et je ne vais pas faire de vidéo jamais, jamais en direct parce que comme ça, on ne se rendra pas compte que je ne suis pas très, très spontanée en fait. Il y a un tas de trucs où il y a besoin de passer une espèce d'épreuve du feu. Que mine de rien, on passe tous dans n'importe lequel de nos boulots. Hein. Enfin, quand on est embauché, on ne sait pas faire notre boulot, on est reçu par une équipe qui est déjà en place, on emmène pas large. Et il y a comme, en choisissant le tarot, c'est comme si on refusait d'avoir cette confrontation-là au moment où ben, on est confronté à un certain public, on est confronté au fait de faire certaines choses, de ne pas être toujours super bonne. Et j'aurais tendance à dire, allez vers le réseau local pour l'instant parce que ça va nous forcer à nous confronter à justement cette gêne qu'il nous faut transcender si on veut être bonne et puis s'étendre, sinon ça marche pas. Après, il y a une chose qui semble aussi très importante, c'est qu'on oublie souvent quand on dit justement je suis tarologue ou thérapeute, c'est que oui, ça c'est la partie belle du métier, mais le vrai métier c'est entrepreneur, quoi. Et là, c'est autre, on rentre dans autre chose. Est-ce que pour toi, on est obligé d'avoir des qualités innées pour être justement entrepreneur, ou tout s'apprend facilement pour Tout pouvoir. s'apprend, mais tout ne s'apprend pas facilement. L'exemple que je donnais au début, c'est moi, j'ai deux parents qui sont fonctionnaires. Et en fait, je pense que j'ai vraiment eu un travail à faire sur... C'était même pas des croyances limitantes, c'était une façon de penser. Et il n'y en a pas une qui est plus limitante qu'une autre, tu vois. Pour moi, il n'y avait pas de lien, je pense, entre l'argent qui rentrait dans une famille
et le travail fourni. J'ai vu mes parents être des excellents enseignants. Des fois, tu vas faire des classes vertes, emmener leur... enfin, ma mère animait une chorale, enfin, faire beaucoup de choses avec leur groupe d'élèves. Et on ne vivait pas mieux à la maison. On n'est pas devenu soudainement riche parce que tout d'un coup, mes parents ont fait plein de trucs professionnellement. Et à l'inverse, j'ai vu mes parents de temps en temps, certaines années, lever le pied. J'ai vu ma mère être malade une année. Et pour autant, notre style de vie n'a pas radicalement changé. Enfin, tout d'un coup, on n'est pas tombé dans la pauvreté. En gros, il y avait à peu près la même chose dans le frigo. Enfin, en tout cas, j'ai vu aucune différence en tant qu'enfant entre mes parents travaillent et mes parents ne travaillent pas et l'argent qu'il y a dans la maison. Et du coup, je pense que j'avais complètement déconnecté ces deux champs, tu vois, le champ travail et le champ avoir de l'argent. Et je sens aussi autour de moi, en tout cas, les gens qui viennent me voir sont pas mal dans cette dichotomie où elles aimeraient énormément, mais alors, si ce système pouvait exister, elles tomberaient à genoux en état de grâce, de ce truc de elles aimeraient beaucoup faire des lectures de tarot toute la journée, parler de tarot toute la journée, et que l'argent vienne d'ailleurs, une entité supérieure qui leur verse l'argent. Je sens fortement ce désir et je pense que je l'avais aussi au départ. Enfin, en tout cas, il y avait quelque chose en moi qui pensait que ce serait peut-être comme ça. Ce n'est pas comme ça. Et là, j'ai un truc qui est beaucoup plus lié à, alors, le travail que tu fournis égale l'argent. J'ai peut-être moins ça maintenant parce que je travaille plus vraiment à l'heure. Mais c'est la qualité, en tout cas, du travail que tu fournis ou l'effort que tu fournis à la base égale ta qualité de vie et de revenu. Et c'est deux mondes différents. C'est vraiment deux mondes différents. Ce qui demande aussi d'avoir quand même une certaine, une certaine maîtrise ou une certaine, c'est pas hygiène de vie, mais c'est, tu vois, il y a un certain rythme. Il faut quand même que tu arrives à te driver, à te poser certains jalons, etc. Parce que ça demande de la rigueur, voilà aussi quelque part dans ta vie personnelle pour pouvoir t'imposer justement. Ce rythme de travail d'entrepreneur, quoi. Parce que généralement, quand on te dit je me mets à mon compte, ça y est, c'est les vacances, quoi. Tu vois, ça ressemble souvent à C'est un peu ça. les vacances. Il y a un truc très franco-français, c'est ça y est, je suis partie en rupture conventionnelle. J'ai 18 mois, 18 mois de glande, non, j'exagère, 16 mois de glande à se tourner les pouces, enfin pas à se tourner les pouces, à se demander ce qu'on fera quand on sera grande, à faire une formation, à écrire des trucs dans un journal. C'est ça qui se passe, hein. Et 2 mois de panique sans nom. Ou comment. Qu'est-ce que je fais maintenant, quoi? Et parce que mine de rien, écrire dans un journal et faire une formation ne suffisent pas. Voilà. Et Et là, c'est le drame. C'est vrai qu'on ne se remet pas forcément en question, on ne voit pas là où il y a des avantages, on ne cherche pas à tirer profit des situations comme ça, où on est assez bien aidé aussi relativement quand on veut créer une entreprise en France, etc. On a pas mal d'aides, etc. aussi, quoi, qui sont importantes à prendre en Oui. compte. Oui, à prendre en compte, effectivement. Et il y a ce truc aussi de se dire que, en fait, j'ai l'impression qu'il y a une. Parce que de tout. Ça, j'ai l'impression que c'est qu'on le sait, qu'il y a un moment où on va devoir communiquer sur ce qu'on fait pour attirer du monde à soi. Sinon, ça n'existe pas, en fait. Donc, il y a quand même cette conscience-là, mais il y a ce truc de. Il y a un moment où je vais commencer à communiquer. Alors que non. Commencer à communiquer, c'est juste maintenant, là, tout de suite, maintenant. Ok, t'es nul, ok, t'as rien fait de ta vie pour l'instant, dans le domaine tarologique, hein, je veux dire, on s'en fiche, montre ce que t'as. T'as acheté un jeu de tarot, t'es contente. Ok, bah c'est déjà pas mal, en fait. C'est vrai. Mais ce sera déjà Un vaut ça. mieux que zéro, comme dirait l'autre. Mais non, mais je veux dire, ça fera toujours 10 personnes qui se diront, ah, bah effectivement, ce jeu de tarot, il a l'air génial, et c'est déjà le début d'une communauté. Je veux dire, il n'y a pas de bon moment pour commencer à communiquer, c'est toujours maintenant, c'est toujours le plus vite possible. Parce que même si vous ne vendez rien, ça constitue une communauté. Je voudrais aborder un sujet qui est souvent tabou, surtout en France, au niveau de l'argent. Enfin, est-ce qu'on Ouais. peut gagner sa vie comme tarologue? Il y a souvent beaucoup de questions qui se disent, oui, mais moi, même si je me mets dans la tarologie, ça ne va pas me suffire, je vais garder un boulot à côté, je peux pas vivre de ça, quoi. Oui, alors comme je l'ai dit, moi je n'invite jamais personne à quitter un emploi rémunérateur au profit du tarot juste comme ça parce qu'on se dit, ouais, en 2 mois, ça va marcher. Oui, vous pouvez en vivre. Voilà.
Oui, j'en vis confortablement. Ah ben c'est bien. C'est déjà. Ouais. Mais après, comme j'ai dit, j'ai traversé des vrais mois de galère aussi. Pas en tant que tarologue pour le coup, hein, dans mes autres branches d'activité. Et je pense que sans se dire qu'on fera des erreurs, j'ai l'impression d'être tout le temps dans un cycle d'essais-erreurs, même encore maintenant, pas forcément financièrement, mais au niveau de mes activités, je suis toujours en train de me remettre en question et de regarder ce qui marche et ce qui ne marche pas. Et ce qui marche ou ce qui ne marche pas dans les deux sens, il y a des choses que j'aime faire, mais devant lesquelles il n'y a aucun répondant de la communauté. Il y a des choses que j'aime faire auxquelles la communauté répond, et là, c'est tant mieux. Il y a des choses que j'aimais faire, mais que moi, j'aime moins et que je vois que ma communauté aime moins aussi. Dans ce cas-là, peut-être que c'est le moment d'arrêter. Et il y a des trucs qui redémarrent, que j'essaye, qui durent 3 mois, que j'arrête parce que tout le monde ne faisait pas ça. Mais en fait, je pense que ce qui constitue aussi les revenus, c'est cette capacité à tester des choses et à regarder avec réalisme, est-ce que j'ai tout fait pour que ça marche? Est-ce que ça marche vraiment? Est-ce que ça me plaît? Est-ce que les gens semblent intéressés ou est-ce que personne n'en a rien à cirer, quoi? Et c'est d'avoir ce détachement-là et de vérifier ce qui marche ou pas et être d'accord pour essayer autre chose qui va peut-être marcher ou pas marcher, qui fait qu'au bout du compte, on a forcément beaucoup plus d'intuition professionnelle, en fait, sur ce qui peut marcher ou pas. C'est pas souvent facile hein, parce que quand on a la tête dans le guidon justement de son activité, on est dans son petit cocon, à tirer ses cartes, à avoir son petit, ses 10 petits amis autour de nous. Alors on est bien, on est en sécurité. Et puis dès qu'il faut changer d'optique, dire bah là finalement, tu vois, si tu veux prendre de l'expansion, c'est pas avec ces 10 personnes-là qu'il faut que tu ailles. Peut-être faut que tu te montes dans des réseaux ou dans des salons, comme tu disais, ce genre de choses. Ça fait, c'est souvent pas forcément en adéquation aussi avec ce que la personne veut. Mais là après. J'ai envie de dire, c'est un problème entre elle et elle, quoi. C'est un problème qu'il faut travailler sur soi, justement, à se demander ce qu'on veut. Et c'est là où on revient à ce que tu disais au début. C'est important aussi de se connaître, de savoir ce qu'on veut, de se remettre en question par rapport à. Tarologue, c'est une profession. Ça pourrait être, ça marche aussi pour les autres professions, quoi, quelles qu'elles soient, si c'est thérapeute ou praticienne en onglerie, j'en sais rien. C'est toute une question de volonté, de remise en question et savoir ce qu'on veut aussi, quoi, quelque part, je pense. Ouais, et peut-être aussi d'être. Je sais pas, je pense qu'il y a une question. Je pense que la volonté pure à un moment ne suffit pas parce que c'est trop difficile en fait. On ne peut pas avoir de la volonté tous les jours à revendre. C'est vraiment compliqué en fait. Et je pense que c'est une question de mettre en place des espèces de routines ou des espèces d'automatismes. Du type, forcément, tous les matins, ici, je suis à 9 h dans cette pièce, point. C'est tout. C'est comme ça. C'est comme si j'étais salarié. Il y a un truc très du bon petit soldat ou du bon petit employé. Et que c'est comme ça, en fait. Ça fait plus appel à ma volonté. C'est pas moi qui me demande chaque matin si je vais y aller ou si je vais pas y aller. C'est comme ça. Donc, il y a un truc Que tu d'automatisme à mettre travailles ou que tu travailles pas, tu y es, quoi. en place. Mais je travaille tout le temps. Oui, parce qu'une fois que tu y es, en fait, c'est la mise en action, quoi. C'est une fois que tu as mis la première pierre, après, c'est plus facile de mettre les autres choses par la suite, D'avoir quoi. des espaces où effectivement d'automatisme, de se faire un calendrier, de voilà, par exemple, moi je sais que tous les matins, ça, je fais une vidéo YouTube par semaine, donc tous les lundis matin, c'est le tournage, tous les mercredis matin, je vais plutôt me focaliser sur les réels et sur le contenu de tous les posts Instagram de la semaine prochaine. Tu vois, il y a une espèce de routine qui est mise en place tous les mardis matin, je prends une demi-heure, 1 heure pour faire toute ma compta. Et c'est pas. Je me demande pas quand est-ce que je vais le faire. Ça arrive, c'est tout. C'est planifié, ouais. C'est planifié, c'est fait, c'est calé, c'est comme ça. Et que si j'avais pas ces routines-là et que tous les jours, et toutes les semaines, je vais me demander, et maintenant, qu'est-ce que je fais de ma vie? Punaise, ce serait une énergie mentale et de volonté vraiment usée, perdue. Donc, il y a certains automatismes, je pense, à mettre en place pour soi et des automatismes bien-être aussi. Hein. Par exemple, le soir, par exemple, ça peut être terminer la journée à 17 h, faire du sport. Ce n'est pas forcément que des tâches boulot à faire. Il y a ça. Et ensuite, voir en face, je pense, les tâches qui sont à faire et décider de les faire et les caler dans l'agenda. Il y a souvent ce truc de on ne va pas le faire.
Et l'exemple que je donne qui est bidon, c'est je dis que je suis à mon travail. Alors là, maintenant, je suis à mon travail, c'est mon travail. Bon, j'ai pas de rendez-vous, mais c'est mon travail. Qu'est-ce que je vais faire? Et à la place de prendre les actions qui s'imposent, c'est-à-dire démarcher machin pour voir s'il y a une place pour le prochain salon, je sais pas moi, de téléphoner à une amie photographe pour qu'elle fasse des belles photos pour Instagram, de commencer à rédiger des posts percutants qui vont parler à notre audience et pas simplement qui vont dire moi je suis tarologue. Voilà. Et ben non, ce qu'elle va se mettre à faire, c'est trier ses photos par ordre alphabétique. Au cas où ça servirait un jour. Ou faire un autre truc, tu vois, ou alors réinventer un énième tirage de tarot alors qu'elle en a déjà 75 en banque. On trouve toujours des excuses, c'est vrai, pour C'est pas. une façon de procrastiner qui est. Mais si je travaille, mais non, tu travailles pas, c'est pas vrai, c'est C'est faux. ça. Et on le fait tous à dans une certaine mesure, mais je pense qu'une bonne question à se poser le matin, c'est là, qu'est-ce que je peux faire de difficile pour mon entreprise? Et après, c'est passé, tu vois. Ça peut être fait pendant la première heure de la journée. Et ça apporte tellement de soulagement une fois qu'on a déposé cette pierre, quoi. Je veux dire, t'as galéré pour faire ça. Là, cette tâche était compliquée, ça t'a pris la tête, mais c'est bon, c'est fait, c'est passé. Ouf, on souffle, quoi. Ça fait du bien et puis ça permet d'avancer aussi, quoi. Et c'est vrai quand on est dans ce statut auto-entrepreneur, on disait tout à l'heure, voilà, qu'il faut une certaine rigueur pour, ce que tu disais, à 9 h tous les matins, t'es dans ce bureau, à 17 h, t'arrêtes, etc. C'est comment on fait justement quand on est indépendant comme ça, dans le tarot ou autre, hein, là on est dans le cas du tarot, pour concilier justement cette vie professionnelle avec la vie familiale, parce que des fois, il y a des aléas, il y a des problèmes. Le matin, on se lève, on n'a pas envie parce qu'on veut s'occuper des enfants, ou je sais pas, c'est parfois pas évident, non, parce que quand tu es salarié, tu te poses pas de questions, tu es obligé d'aller au boulot. Alors effectivement, ça peut poser problème. Mais en fait, j'ai l'impression que c'est un problème féminin, même pour les femmes salariées, là. Hein. Pour le coup, si en général, enfin, imaginons, si je suis salariée, c'est quand même moi que l'école appelle en premier si jamais ben, l'enfant il se met à vomir en classe. Donc je pense que c'est plus une question de féminité que d'entrepreneur pas entrepreneur. Après, effectivement, je suis d'accord qu'il y a toujours, si on n'a pas, comme j'ai dit, ces routines bien établies et cet emploi du temps établi, il y aura cet appel à regarder plutôt son tas de linge ou notre enfant qui va moyennement bien, ou il y a les devoirs à faire et voilà, c'est à partir de 4 heures, c'est maintenant, c'est les devoirs. Après, on peut très bien décider d'arrêter le travail à 4 heures, hein, qui vont nous rattraper. Mais là, franchement, pour moi, c'est une question de routine et d'emploi du temps. Et aussi, de voir aussi ce qui marche pour nous. Là, je suis en rapport, je suis en accompagnement avec une entrepreneuse qui, elle, va travailler uniquement, enfin, pour le travail qu'elle a à faire en écriture, en créativité, elle va dans des espaces coworking. Parce que de chez elle, c'est vraiment trop compliqué. Elle n'y arrive pas. Elle fait autre chose. Ou alors, elle se dit que, oh, elle a tout le temps de sa journée et elle part glander sur Netflix et, c'est aussi un réflexe qu'on peut avoir en fait. Donc, L'environnement, ouais, notre environnement est un piège, quoi, aussi. c'est pas que les tâches, c'est aussi des fois, oui, effectivement, la glande qui nous appelle. Hein, ça, c'est après, c'est que ça. Enfin, on le fait tous. Hein. Donc, et qu'on ne le fait pas du tout quand on est salarié. Mais du coup, pour parer à ça, elle a un espace coworking qu'elle paye à l'avance aussi. Enfin, je veux dire, c'est Il y a un pour la finalité. engagement, Et donc, elle y va et c'est à ce moment-là qu'elle travaille. Et que ça lui fait du bien en plus. Donc, je pense que c'est à nous de trouver les ressorts qui facilitent aussi le fait de se mettre au boulot. De pouvoir se motiver à garder le rythme, c'est ça. Ouais. Quand tu repenses à la Margot il y a 10-15 ans et la Margot d'aujourd'hui, est-ce que tu te sens épanouie? Tu te dis, est-ce que j'ai fait le bon choix ou est-ce que ça Ah y est, ouais, je suis oui. sur ma voie là, c'est bon? Est-ce que j'ai fait le bon choix? Absolument. Oh mon Dieu, absolument. Bon, après, ça fait plus. Ça fait combien? Ça fait un peu plus de 10 ans que je suis entre. Non, même pas. J'ai quitté définitivement le salariat en 2013. Donc, tu vois, ça fait 9 ans. Donc, OK. Non, non, ce n'est pas du tout, du tout un mauvais choix. Mais mon Dieu, mais tellement pas du tout. Par contre, est-ce que je suis plus épanouie? Oui, je dirais oui parce que j'avais une vie d'avant qui me plaisait pas tellement, mais je pense que je suis encore toujours tiraillée entre ces trucs de
Je suis régulièrement limite en pétage de plomb parce que j'ai tendance à trop travailler. Et je pense que c'est une maladie qu'ont beaucoup d'entrepreneurs. Ouais. Et j'ai encore d'autres problèmes. J'ai des problèmes, par exemple, par rapport aux finances, d'indexer ma valeur à ce que je gagne par mois. De me sentir bien si j'ai fait un gros mois, de me sentir très très mal et de me sentir très nul si j'ai fait un mauvais mois, même si c'est plus ou moins anticipé. Tu vois, là, sur le mois de décembre, j'ai prévu de gagner moins que les 3 mois précédents, parce que c'est décembre, je veux dire, et vu que je ne vends pas des chocolats, ben, c'est pas forcément là que je vais faire le plus de ventes. Et tu vois, c'est là maintenant, on va aborder décembre et je suis OK avec cette décision. Je ne sais pas dans quel état je suis fin décembre, tu vois. En voyant que effectivement, j'aurai un chiffre d'affaires moindre. Les fluctuations de chiffre d'affaires sont encore compliquées à gérer pour moi. Non, quand ça monte, non, c'est facile à gérer. Quand ça descend, Ça, c'est pour tout le monde, je pour tout le monde. Donc, ah, quoi que, il y a des gens qui sont dans le. Oh, tout d'un coup, c'est trop, quoi. Donc voilà, il y a une stabilité qui est quand même difficile à avoir pour moi. Donc, c'est pour ça que je dis l'épanouissement, j'y travaille encore, vraiment. De doser le trop en faire et les périodes où j'ai envie de juste tout. Je vais annuler tous mes rendez-vous, comme ça je serai tranquille cette semaine. Oui, bon, c'est pas la meilleure idée non plus. Donc, voilà, mais c'est des idées qui peuvent vraiment me traverser. Ouais. Ça, c'est les problématiques du Il y a du jour, oui. mieux, ouais. Ouais. Et quand tu regardes vers l'avenir, est-ce que tu penses qu'il y a encore beaucoup de choses à faire ou tu as atteint, d'après toi, Non, ouais, en le fait, bout, quoi? y a encore beaucoup de choses à faire. Tu as Il y encore a beaucoup de projets? pas de projet, mais je me demande aussi ce que l'avenir me réserve, parce que honnêtement, il y a 5 ans, je n'aurais pas anticipé ce qui se passe là à l'heure actuelle, tu vois, les retraites, tout ça. Donc oui, j'ai des projets à mettre en place, mais je me dis aussi que, tu vois, de commencer à poser des projets en amène d'autres, forcément. Et que du coup, il y a aussi pas un sentiment d'attente, mais un truc de je vais peut-être laisser le fil se dérouler. Et que non, c'est jamais fini. Et la question après à se poser à chaque fois, c'est quoi la prochaine marche en fait? Et qu'est-ce que j'ai envie de faire grossir aussi? Est-ce que j'ai envie de faire grossir mon audience? Est-ce que j'ai envie de faire grossir mon chiffre d'affaires ou ma notoriété ou mon savoir-faire? Ou voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là qui. Je suis assez persuadée qu'en tant qu'être humain, on a besoin de croître un peu à l'infini. Donc non, c'est pas terminé. La route n'est pas finie. La route n'est pas finie, mais il y a quelque chose de fatigant là-dedans. Il y a des fois cette demande de c'est quand est-ce que je m'arrête? Quand est-ce qu'on s'assied là? Ce serait sympa de s'asseoir. Mais voilà. Après, ça, c'est peut-être justement le côté d'être indépendante, quoi, qui te demande cette rigueur-là aussi, quoi, qui fait que tu peux pas te reposer forcément, puisque tu es ton propre patron. Si tu t'arrêtes de travailler, ben tout s'arrête, quoi, quelque part. C'est un peu ça qui aussi. Dans le côté penchant négatif de la balance, quoi. Après, j'ai tout un travail, tu vois, par exemple, je parle d'être présente sur les réseaux sociaux, j'ai tout un travail de planification qui me permet de partir, par exemple. Je suis aidée par une assistance graphique, je suis aidée par une assistante administrative aussi. Donc, il y a certaines choses qui sont déléguées, mais je pense que c'est une pression vraiment interne. J'ai besoin d'y être, sinon j'ai l'impression que forcément tout va foutre le camp. C'est pas forcément vrai. Super. Ben merci. T'as un petit truc à Non, c'était très vulnérable pour le coup. rajouter? Je parlais des difficultés. Non, je crois pas avoir quelque chose à rajouter. Attends, Par rapport à ce parcours, un conseil que tu pourrais donner à quelqu'un justement qui aimerait se lancer, qui est encore dans l'hésitation et qui se dit, oh, c'est pas Vraiment, pour moi. le truc, c'est de ne pas attendre. Vraiment de ne pas attendre. Et de ne pas se dire, mais mon Dieu, comment je vais faire avec mon boulot? Non, mais à quel moment avoir un boulot est un problème? C'est très bien, tu as un boulot. Ouais, vraiment, de ne pas attendre avant de se mettre à communiquer, à en parler, etc. Parce que ça commence là tout de suite, en fait. Et ça, c'est vraiment le premier énorme conseil, de ne pas penser forcément en termes de maintenant, je dois en faire ma carrière, donc je dois arrêter mon boulot. Et si jamais ce n'est pas ça qui marche, parce qu'il est possible qu'on commence à poster, qu'on commence à faire des trucs, qu'on propose même des tirages de tarot et que ça ne marche pas, je pense que ça renvoie facilement
sur autre chose en fait. Je pense que c'est notre chemin pour découvrir peut-être autre chose qu'on a plus envie de faire ou qui marcherait mieux. J'ai pas mal cette perspective de, en fait, de suivre un espèce de fil conducteur ou de fil d'envie, et que même si c'est pas finalement notre ligne, ça nous amène pas directement vers une espèce de ligne d'arrivée, mais ça nous permettra de faire les rencontres déterminantes qui nous permettront de, etc. Donc on suit quelque part ses rêves quoi pour voir où ils nous amènent finalement Ouais, ou en en les tout cas, nous. ramenant en les amenant à nous dans le côté concret quoi quelque part. Ouais. Ou même juste nos goûts, nos inclinaisons. Tu vois, j'en sais rien. Aller très envie de s'inscrire à un cours de pole dance ou bien d'aller dans un club de lecteurs. Ou à... Ça peut être ce genre d'envie. Je pense que ne pas attendre et les mettre en pratique, c'est déjà garder une certaine flamme allumée en nous, alors qu'on la laisse tellement facilement s'éteindre des fois. Et ensuite, c'est par ce biais-là qu'on a de nouvelles idées, c'est par ce biais-là qu'on accepte d'être dérangé, c'est par ce biais-là qu'on fait de nouvelles rencontres. Et qu'on trouve peut-être ce qui nous correspond le plus. Parce que je suppose que tu en as aussi des personnes qui disent, voilà, je suis très attirée par le monde des cartes et tout. Est-ce que c'est pour moi? Essaye. Et peut-être que ce sera pas pour toi. Peut-être que ça te conduit juste à autre chose. Autre chose, exact. C'est souvent ça. Ouais. Eh bien voilà, merci en tout cas pour ces bons conseils, ce mot de la fin, Marco. Merci Avant à de nous toi. quitter, je voudrais juste parler un petit peu de ce que tu fais en ce moment, enfin, de ce que tu proposes en ce moment. Enfin, alors déjà par rapport à ce que j'ai noté un petit peu ici, ce qu'on peut déjà voir, il y a ben, ces fameux vocaux tarot, en fait, qui Oui. sont une véritable aide dans la pratique du tarot, puisqu'il s'agit en fait de 78 audios qui font à peu près 1 minute, où tu vas nous guider justement par rapport à l'interprétation des cartes, où il y a aussi une version qui est plus dans nous donner une sorte d'inspiration pour mieux interpréter les cartes, toujours en étant, en ramenant tout ça, toutes ces prédictions, enfin toutes ces prévisions de manière très concrète, de l'amener à ce que la personne, la tarologue, puisse dire concrètement à son consultant, ben voilà, ça va être plutôt comme ça pour toi, quoi. Oui, tout à fait. Il y a ça. Il y a ça. C'est disponible. Effectivement, il y a 7 jours d'essai gratuit sur le site. Donc, Ouais. Alors, on va voilà. retrouver évidemment ces vocaux tarot sur ton site www.margotrobertwinterhalter.com. Il y a d'autres choses aussi. Hein. Il y a toutes tes formations. Je crois qu'il y a plus d'une dizaine de formations. Je ne sais plus toutes en tête, mais Ouais, non, elles sont pas toutes en ligne, donc il y en a certaines qui ont. Mais la principale, c'est l'initiation au tarot intuitif, effectivement, on trouvera d'autres choses dessus, oui. qui sont très présentes. Et puis, il y a le livre aussi que tu as écrit, qui est justement sur le tarot pratique. Est-ce que tu peux nous en donner un petit peu de mots sur son contenu? Oui, sur le contenu du livre, en fait, c'est un répertoire des 78 cartes de tarot. Et en fait, pour chacune de ces cartes, je vais faire plus simple. En fait, j'ai répertorié les principales positions dans les tirages de tarot qu'on fait de façon assez traditionnelle. Par exemple, il y a tout ce qui est situationnel, soit la situation actuelle, soit passée, soit future, les conseils qu'on peut avoir avec les cartes, les faiblesses, si une carte nous parle d'une faiblesse ou d'un défaut qu'on a, si une carte nous parle d'une force ou d'une qualité qu'on a, etc. Enfin, en gros, toutes les positions de tirage qu'on peut avoir dans un tirage. Et en fait, j'ai donné trois interprétations possibles à chaque fois pour chaque carte. Tu vois, là, c'est le page de bâton. Et en fait, tu as les positions qui sont indiquées là. Et à chaque fois, tu as trois possibilités d'interprétation, à chaque fois, forcément, de la façon la plus concrète possible. Voilà, ça permet, c'est une grosse aide à l'interprétation des cartes, en fait. C'est jamais Ça on permet sent de des débugger fois. les tirages buggés. Si des fois on se sent justement un peu perdu, des fois on tire les cartes et ça fait oh, on Oui, sait pas quoi et dire. On peut vite vite se référer à ton livre justement pour aller ce débloquer la sera plus situation. direct, ce sera pas une grande description très large de ce qu'il y a sur la carte, parce qu'en général, vous le savez, ce sera vraiment dans cette position, ça peut vouloir dire ça ou ça ou ça. Voilà. Exact. Alors oui, donc on parlait de ce fameux livre qu'on peut trouver hein, dans toutes les bonnes librairies, que ce soit de librairie de quartier ou les grandes librairies en ligne, allons citer justement comme Amazon ou autre, on le trouve assez facilement. Enfin, on peut aussi te retrouver bien sûr sur les réseaux sociaux. Je sais que tu es beaucoup sur Instagram, mais aussi sur YouTube où il y a beaucoup de conseils que tu donnes, beaucoup d'astuces
sur ta chaîne YouTube, ce qui est Margot RW. Et là, vous allez de toute façon trouver tous ces liens, vous les avez en description sous cette vidéo qui sont disponibles pour retrouver Margot sur son site internet aussi, www.margotrobertwinteralter.com. Vous avez toutes les infos, que ce soit justement pour vous aider dans la pratique du tarot ou simplement pour avoir des astuces à travers les vidéos YouTube, etc. Il y a de quoi faire en tout cas avec les réseaux de ce que tu proposes, Margot. Et en lien peut-être avec quelque chose que je n'ai pas noté, mais auquel je pense par rapport à tout ce qu'on a dit aujourd'hui sur cette manière de devenir tarologue finalement, de se lancer dans cette pratique-là. Je sais que c'est le côté entrepreneuriat est très important, on l'a souligné aussi, quoi, cette double casquette finalement, parce qu'on n'est pas que tarologue, ça c'est la partie belle, hein, c'est la cerise sur le gâteau, mais le vrai problème, le fond, c'est d'être entrepreneur justement. Et je sais que tu aides aussi, tu accompagnes les personnes qui veulent être dans cette activité justement de tarologue. C'est à travers un accompagnement, je ne sais plus qui s'appelle. Il y a un accompagnement. Enfin, là, ces temps-ci, j'ai plus de place d'accompagnement ouvert, mais c'est vraiment des rendez-vous que je prends. Et il y a tout un cours en ligne, en fait, sur qui s'appelle Profession tarologue. Et effectivement, qui peut servir à d'autres personnes que strictement des tarologues à proprement parler. Hein. C'est profession spirituelle en général, on va dire. Super. Ben merci en tout cas, Margot, pour cet échange. Et pour cette suite, c'était cool. Je t'en prie avec plaisir. Je te dis à très bientôt. Et à très bientôt. Je te souhaite merci beaucoup. Une bonne journée, une belle journée de travail pour toi. À bientôt. À bientôt, au revoir. Bye bye. Alors, juste avant de vous quitter, comme je vous le disais en début d'émission, je voudrais vous annoncer la suite du programme par rapport à ce qui nous attend la semaine prochaine. Notamment, vous savez, par rapport au guide de la voyance, il y a une grande semaine autour de tout ce qui se passe sur les prédictions qu'on pourrait avoir pour 2023. Notamment, j'aurai le plaisir d'animer une grande émission lundi 5 décembre à 20h30, où je serai en compagnie de 8 voyantes, médiums exceptionnels qui vous feront justement des prédictions par rapport à l'année 2023, comment elle va se passer pour vous, d'une manière générale, voilà, sur différents domaines. Alors, on parlait d'économie, d'écologie, voilà, vous avez un petit peu les grands sujets du moment. Enfin, donc ça sera lundi 5 décembre à 20h30. Ensuite, le lendemain, j'ai le plaisir d'accueillir toujours sur le guide de la voyance Corinne Attard, avec laquelle je vais évoquer l'oracle Maya. Justement, encore une fois, là, on n'est pas vraiment dans les prédictions, mais c'est plus pour pouvoir se reconnecter à soi et se reconnecter au cosmos aussi, savoir comment se réaligner grâce à cet oracle Maya. Donc, elle nous présentera ça mardi 6 décembre à 21h. Et on reprend les prédictions où je serai là avec vous justement pour vous donner mes prédictions à l'aide du tarot le mercredi 7 décembre à 20h30. Où là justement, ce sera une petite soirée cocooning où j'aborderai justement à travers les signes du zodiaque, mais je ne vous parlerai pas d'astrologie, c'est juste pour que vous puissiez vous replacer par rapport à une prédiction sur ce qui peut vous attendre dans les grands domaines de votre vie en 2023. Et ensuite, on arrive à jeudi, où c'est justement une des prévisions, encore une fois, 2023, mais cette fois-ci en lien avec l'astrologie. Et c'est Stanislas Delorme qui va recevoir Angélique, qui est astrologue, et qui vous fera justement ses prévisions pour ce qui vous attend signe par signe en 2023. Ça sera donc jeudi 8 décembre à 21h. Et on termine la semaine en beauté avec le patron de la maison, Stanislas Delorme, donc responsable du guide de la voyance, qui vous parlera vendredi 9 décembre à 20h30 de votre année personnelle par rapport à cette année 2023. Donc, tout un programme en lien avec la numérologie, et ça sera présenté par Stanislas Delorme himself. Voilà pour le programme de ce qui vous attend. Vous voyez beaucoup de choses autour de prédictions, que ce soit par les voyants, les médiums, les tarologues que je suis ou la tarologue que je suis ou les astrologues, la numérologie. Donc, vous avez le choix pour savoir ce qui vous attend en 2023. D'ici là, portez-vous bien. Passez un bon week-end. Bye tout le monde.